Ok, ça tourne. Je baille un petit coup, je m'étire, j'arrive. Salut toi! J'espère que Dorothée ne va pas laisser au montage le moment où je viens de bailler. Aujourd'hui, je viens te parler de la Madbox de juillet. Donc c'est la Madbox de l'été 2017 par Mademoiselle et on va faire un petit unboxing parce que dans ma vie j'ai toujours rêvé d'être une vraie meuf qui fait des unboxings en vidéo de box qu'elle reçoit et je me dis pourquoi pas, le moment est venu. Alors déjà cette Madbox de juillet c'est la première qu'on a pu customiser à l'extérieur, ce qui fait que tu pourras la garder chez toi et qu'elle sera super belle et que tu pourras mettre plein de merveilles dedans. Ici on a écrit presse le pas facteur car l'amitié n'attend pas, car on aime le kitsch. Sur le côté, tu as d'adorables petits cactus que notre graphiste a dessiné rien que pour toi. Et sur le devant, la formule magique, Allo Homora. Ça vient d'une petite saga littéraire pas très connue. Wingardium Leviosa. C'est donc le moment d'entrer dans la caverne d'Ali Baba. Petit aparté honnêteté, je sais ce qu'il y a dans cette box, car j'ai participé au comité qui a choisi ce qu'il y a dans cette box et comment on allait les customiser, donc je vais pas vraiment être surprise. Je vais peut-être faire semblant d'être surprise car je joue très bien. Mais je sais déjà et j'en suis très fière. Ouais, cette box est très cool. On commence avec un livret de présentation qui va te permettre de découvrir les produits. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai écrit les trucs dedans. J'espère que tu le trouveras hilarant. Car je suis hilarante. Et tu as en plus dedans un extrait de notre tout premier cahier de vacances Mademoiselle qui est sorti cette année et qui est toujours disponible. Donc tu as des mots mêlés dans lesquels il faut retrouver les titres de séries avec un petit odor dessiné par Si. Ça c'est le livret, tu peux l'ouvrir direct et te spoiler tout, mais tu peux aussi fouiller dans la box pour découvrir au fur et à mesure ce qui reste un peu mieux. C'est le binge-watching ou regarder un épisode par semaine. On commence avec ce qui est très honnêtement mon objet préféré de cette box. C'est un petit pot de menthe à faire pousser dont on a customisé l'étiquette. Il y a marqué « Oh oui, arrose-moi ». Peut-être que le dessin est un peu... Non, je dois avoir les idées mal placées. Et donc c'est un petit pot en paille de riz avec les graines déjà à l'intérieur. Il te suffit de mettre de l'eau et après tu auras de la menthe pour tes mojitos, pour ton thé à la menthe, pour tes salades, pour tout ce que tu veux. Et ça c'est frais pour l'été, donc c'est cool. Ensuite, continuons dans tout ce qui est manger, car on adore manger et boire. On a un pot de moutarde au poivre vert, car dans la box précédente, on avait mis des épices à pizza et à pâte, et ça vous avait beaucoup plu. Du coup, on s'est dit qu'on allait continuer dans tout ce qui est condiments et trucs de cuisine qui se gardent. Et dans le livret, tu trouveras d'ailleurs une petite recette de Margot pour utiliser ta moutarde au poivre vert. On a ce que tout le monde attend. Les tatouages éphémères, Mademoiselle, qu'on a dessiné rien que pour vous. Tu as donc un tatouage avec un oiseau et un cœur, un utérus qui dit ovaries before brovaries, un tatouage qui dit t'inquiète mamie, c'est un faux, et des petites bandes comme ça que tu peux mettre autour de ton poignet si tu n'as pas eu l'excellente idée de tout tatouer l'intégralité du bras comme moi, parce que du coup, ça ne se verra pas très bien, je pense. On continue dans le design. On t'a fait trois cartes postales pour que tu puisses faire kiffer tes proches, tes amis, ton mec, ta meuf, tes parents avec la Madbox. Encore une fois, on les a designées nous-mêmes, rien que pour toi. On en a une sur comment être prête pour l'été, comment être beach body ready. On a joyeux non anniversaire parce que j'ai oublié le vrai. Si comme moi, tu n'as pas de mémoire des dates et que tu as des potes qui ne mettent pas leur date d'anniversaire sur Facebook, ce qui est le seul moyen de s'en rappeler finalement. Et on a des gros bisous de Préolard pour toutes les meufs qui avaient la ref d'Allo Homora. Si tu l'avais pas, ça ne te parlera pas non plus, je pense. Ensuite, le gros cadeau, c'est une mason jar pour les gens qui veulent vivre dans Pinterest. Donc c'est pour, voilà, siroter par exemple ton petit mojito fait avec la menthe à pousser, tout ça tombe très bien, avec une petite phrase qui dit « Let's do cocktails ». Ça ne s'arrête jamais. Le contenu « Do it yourself » de la box, c'est un petit set de perles à repasser, comme quand on était enfant. Et l'idée, c'est qu'avec, tu peux faire des sous-verres pour arrêter d'avoir des traces sur ta table basse et arrêter de voler des sous-verres dans les bars comme moi, parce que, évidemment, faut grandir. Ça ne se fait pas. C'est pas super joli. Une petite pochette! Parce que l'été c'est frais, l'été c'est stylé, l'été on va à la plage ou à la piscine et là-dedans tu peux mettre ton maillot de bain, ta crème solaire, ton téléphone, tout ce que tu veux, ce qui lui permettra de ne pas prendre le sable et l'eau et de ne pas mouiller l'intégralité de ton sac avec ton bikini. Car on va dire que peut-être des gens dont moi sont déjà passés par là. Et pour finir, last but not least, toujours dans l'aspect cuisine, une petite planche à découper qu'on a customisée avec une phrase qui dit « Je coupe donc je cuis » car on adore les jeux de mots. Parfait pour le saucisson, tout ce qui est saucisson, chorizo, l'été, l'apéro. Saucisson vegan peut-être, ça existe, je ne sais pas. Et on a donc customisé l'intérieur de la box avec une petite blague signée Margot, blague de Toto, car vraiment, ne grandissons jamais, et
nos petits réseaux pour que tu puisses nous suivre sur Snapchat où il y a des stories tous les jours et mettre des photos de ta Madbox sur Instagram avec le hashtag LaMadbox. Comme ça, on te regramme et on te retweet si tu les mets sur Twitter et ça nous fait super plaisir et on t'aime très fort. Si mon charme à toute épreuve t'a convaincu, tu peux acheter cette Madbox sur le site qui s'affiche là. Youtubeuse, y'a quoi, je suis pro. Pour le prix de 18,90€ plus 4€ de frais de port, ce qui fait 22,90€ et je le sais car j'ai fait un bac littéraire. C'est sans abonnement, du coup tu ne recevras que la Madbox de juillet et tu ne seras débité qu'une seule fois, logiquement. Et je termine sur le fait que acheter la Madbox c'est un bon moyen de soutenir Mademoiselle, comme ça on reste 100% gratuit pour toi, lectrice ou lecteur. Tu as les récaps rigolos de Game of Thrones tous les ans, toutes les semaines, gratuitement, car on est comme ça, on est dans le don, on est dans la générosité et ça nous fera très plaisir. Donc merci d'avance si tu comptes la commander et passe une bonne journée.